Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Awakening. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode continuer notre aventure et notre combat qui évidemment s'annonce plutôt complexe, lol. Si on en suit, évidemment, la logique précédente, là pour le coup, ça risque d'être complexe. Mais là pour le moment, maintenant qu'on est en difficulté plus faible, ça devrait aller mieux. Changement de niveau. Technicité, je n'ai pas encore fini avec d'en apprendre avec vous. Alors, on va en profiter pour se séparer. À moins qu'attendez, là on est avec Darren là. C'est Darren avec qui? Ah, il faut que j'ai la souris. C'est Darren avec Stahl. L'avantage de Darren est Stahl. Là, ouais, Stahl est en PLS en termes de points de vie. On va permuter, on va objet. Il n'y a pas de potion. Est-ce que je peux échanger? Avec Darren, elle n'a pas de potion non plus. Bon, on va juste attendre du coup. Non, on va rester avec Darren. Est-ce que je les sépare les deux? Non, on va rester comme ça pour le moment. Ça me paraît ok. On va faire en sorte... Ah, j'aurais dû mettre là plutôt. On se serait soigné, j'arrive pas à parler. Hop. J'aurais peut-être pu les séparer les deux. Non. On va faire ça. On va permuter, attendre. Toi, je t'avance. Toi, je te laisse ici. Hop. Et est-ce que toi, je te mets là? C'est qui peut nous agresser? C'est toi qui nous agresse? Ouais, c'est toi qui nous agresse. Donc, on va te mettre toi. Mettre fin. Phase ennemie. Et toi, tu te déplaces. Après, là, tu vas pas crever. Voilà, sans effet. Et tu meurs. Ok. Les autres se déplacent, c'est ça que je veux. Ok. Et Stahl effectivement regagne des points de vie. Alors. Est-ce que je peux envoyer Marth? Toi tu... Toi tu m'agresses jusque là. Ok. Le problème c'est toi quoi. Et à part Frédéric, en tant qu'on a rien quoi. Il y a vraiment que Frédéric qui sert à quelque chose. En termes d'agression. Est-ce que... Là on a 11% de la rapière mais on utilise des... On va plutôt utiliser Falchion parce qu'on utilise des... Comment ça s'appelle? De la durabilité de l'épée. Et ça me plaît pas vraiment. Ça c'est pas mal. Chrome qui gagne de l'XP. Oh, t'as pas mal de puissance, non? Attendez. Ah oui, non, mais c'est parce que tu peux aller là, je suis con. Ah. Est-ce que j'aurais juste comme ça? Je vais mettre lui à côté. Et lui à côté. Ça permettra quand même, quand ils se font agresser, d'avoir un allié. Chrome prend 7, tu lui mets 10. Okay. Le but c'est aussi de leur faire gagner de l'XP, hein, un maximum. Sans effet, évidemment, pour Frédéric. Frédéric a atteint le niveau d'arme A. Pour la lance, ouais, effectivement, Frédéric il est vachement plus buffé que les autres. Cette arme pourrait nous être utile, je pense qu'il n'en aura plus besoin. 16, récupère un objet. Alors. Les objets en vert dans l'inventaire d'un ennemi sont récupérables si vous parvenez à le vaincre. Ok. Intéressant. Là, on peut récupérer sa lance.
Pas mal. Donc là, maintenant qu'on a utilisé Vander, n'importe quoi. Frédéric. Oui, je confonds déjà. On a utilisé Frédéric pour un maximum de damage. Peut-être utiliser la rapière quand même pour agresser. On va utiliser Chrome. On va utiliser les autres. Changement de niveau, bien joué Chrome. Qui passe niveau 3, qui gagne en force. Hop, on devrait pouvoir. Assure-moi, toi tu agresses jusqu'où? Tu agresses jusque là, donc on s'en fout, on peut s'avancer. Parce que toi tu fais des choses. Stal, tu infliges 10 dégâts. T'en prends 7. Et si je permute et que j'attaque avec Darren, tu infliges 9 mais tu prends 0. Ça me plaît bien ça. Oh, t'es si proche de l'XP. Est-ce que je peux t'attaquer toi? Je te mets 9 également. Paf. Bien joué. Et celui qui attaque. Une bonne chose. Ok, le fait d'attaquer vraiment côte à côte, ça influe énormément par rapport bah, engage, hein, parce que du coup, à Slavsus, ça changeait pas grand chose non plus. Ça changeait, dans tous les cas, ça changeait quand même la précision notamment. Mais là, on a carrément une possibilité que la personne d'à côté attaque en plus. Et ça, c'est pas négligeable. Clairement pas. Toi, tu fais du feu. Il y a 25%, vous voyez, 24%. Qui l'attaque également, c'est pas dégueu. Hein. Là, il prend 10. Du coup, on va attaquer avec toi. T'as autant te mettre là. T'attaquer avec 8. 100%. Ça me va. Boum. Bien joué. Je m'auto-félicite. Hein. Et je peux... Non, je peux pas aller soigner Chrome. Je vais déplacer toi d'abord, du coup. Hop. Et je vais tout de même aller soigner Chrome. Alors je sais pas si la durabilité des armes se transfère d'un combat à l'autre, j'ai pas regardé. Bah, est-ce qu'on régénère la durabilité des armes ou pas? Donc, on va attendre. On va aller là. Ah! Non mais on est comme sur eux. J'ai utilisé la croix peut-être. J'ai l'impression qu'on est comme sur une gauge, c'est beaucoup trop sensible. Hop. Et voilà. Phase ennemie. Phase joueur. Alors. Est-ce que je peux en mettre d'arène ici? 8-8. 8-8-700. Utiliser l'épée, hein. Une fact. Ah. Tintintintintin. À 100 de précision. C'est à l'attaque aussi. Et lui, il a que 60% de précision. Changement de niveau pour Darren. Bien joué, nous. On a gagné vraiment un partout, presque. Vachement cool, ça. Jack, non toi je te garde ici. Chrome, on va essayer de faire gagner Chrome. T'es à 10. On va faire Falchion. Donc t'as moins de précision. Tu perds pas de durabilité. Ok, l'autre a quand même 7% de critique. Faut faire gaffe avec les critiques. Faut faire très gaffe avec les critiques. Je te mets 8 dans la tronche, t'as 7 PV. Même si tu m'attaques deux fois, a priori je te mets les 8 d'abord, on est d'accord sur ce point. Hop. Parfait. C'était risqué quand même. Changement de niveau. PV, force, charme, résistance. Chance, pardon, pas charme. Pas parfait.
héros chromés sous lit. C'est vrai qu'ils ont bien carré. Bon débarras. Mais s'ils apparaissent si haut sur la route du nord, alors aucune route n'est vraiment sûre. Nous devons rester sur nos gardes. On va sauvegarder notre progression. Ta-da-da. Tout va bien dans le meilleur des mondes de la route du nord. Attendez, regardez ça. Oh, on dirait... Qu'est-ce que donc ? Un cheval. Enfin, un cheval ailé, donc c'est un Pégase. C'est un Pégase, j'ai l'impression qu'il est blessé. Venez, allons voir. Effectivement, c'est un cheval ailé. Pas content. Ouille, sale bête, tout doux. Oh non, mon capitaine. Non mais elle se viande à chaque fois. Soumia, tu t'es fait mal, n'oublie pas que c'était encore à cause de tes bottes. Oh non, enfin si. Zut, ce sont ces satanées fermetures. Elle va nous le faire à chaque fois qu'on arrive. Pourquoi elle a pas de bras? Quoi? Pourquoi? Regardez ses bras là. Ses manches, elles sont à l'envers, c'est n'importe quoi. À moins que ce soit comme dans Three Houses. La Beat by Death, non, je crois que c'est un peu buggy. Hein. Attendez, capitaine, je peux m'en sortir. Chut, tout doux, je ne te veux aucun mal. Ah non, c'est son armure. Ok, bon, elle a pas de bras quand même, hein, mais c'est son armure. Chut, tout doux. Comment a-t-elle pu le calmer si vite? Waouh, c'était incroyable, Sumia. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Oh, ce n'est rien, vraiment, j'ai juste une affinité avec les animaux. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Partez, ne m'attendez pas. Je vais panser ces plaies. Je vous rattraperai dès que possible. Ce n'est pas en pièces. Merci, capitaine, mais je vais me débrouiller toute seule. J'ai lu trop vite. En fait, j'ai pas l'habitude. Habituellement, dans les jeux Fire Emblem, les dialogues, ils mettent du temps à s'afficher. Ils font... Et du coup, c'est long. Et moi, en lisant, je préfère avoir toute la phrase pour le lire. C'est plus fluide. Et ça m'évite de buter quand je fais plus rapidement que le... Et du coup, j'appuie sur A pour que ça... Généralement, quand tu appuies sur A, ça met toute la ligne de dialogue. Et après, tu appuies sur A pour passer à la suivante. Mais là, dans ce jeu, non, tout arrive d'un coup. Et du coup, faut pas appuyer sur A parce que sinon, ça passe directement à la suivante. Mais c'est un réflexe que j'ai et du coup, bah, il faut que je m'en débarrasse pour ce jeu-là. Vous ne devriez pas avoir à m'attendre alors que toute Illys est en danger. Très bien, prends soin de toi, Soumia. À vos ordres, mon capitaine. Donc ne m'en voulez pas si je skip des dialogues par mes gardes de temps en temps. Merci. Bon, a priori, je n'en tiendrai pas plus rigueur que ça, mais... On va débuter ce nouveau chapitre. Oui, absolument. Chapitre 3, Royaume guerrier. Oh, il fait un froid de canard ici. Alors, les chapitres sont beaucoup plus rapides que dans Engage pour le coup. Peut-être qu'il y aura plus de chapitres que ça, mais je trouve que ça carbure bien. C'est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt pas mal. Venez près de ma jument, Dame Lissa, elle vous protégera du vent. C'est la forteresse. Oui, c'est Castle Long qui s'étend entre... Illys et Regna Ferox. Ah. Les camps à la tête de Ferox, ou les Khans, à la tête de Ferox ont appris à se méfier des étrangers, mais leur manque d'hospitalité n'est pas forcément synonyme d'hostilité. Il faudra simplement faire preuve de tact et de diplomatie. La diplomatie n'a jamais été mon fort, mais je ferai de mon mieux. Je veux que tout le monde en fasse autant. Ici, vous représentez Illys. Le danger nous guette, monseigneur. La garde de Ferox se prépare à agir. Comment? Mais pourquoi? Je l'ignore, mais une pluie de flèches risque de s'abattre sur nous au moindre signal. Il serait sage de nous préparer au combat. Il faut organiser nos ressources et déterminer quels veilleurs iront se battre. En tant que stratège, Daren devrait pouvoir nous aider à nous organiser. C'est en effet un atout non négligeable. Que nous conseilles-tu, Daren? J'ai tendance à prononcer ça Daren, mais c'est Daraen. Menu de préparation débloqué. Ah, on va pouvoir choisir nos unités. Voir si on a des soutiens. Ah, on a des soutiens. Équiper ou enlever des techniques. Ah oui, d'accord, on a des techniques. Donc là, pour le coup, comme dans Three Houses, on avait des techniques comme ça qu'on pouvait débloquer et rajouter. Ce qui ne me semble pas être le cas dans
Non, engage. Inventaire, ça c'est toutes nos unités, évidemment. Je peux pas mettre toutes les. Je peux pas toutes les mêmes. Enfin, je peux pas toutes les mettre. Unité. Pas encore en section des zéros. Qui c'est que je mets? Est-ce que je mets le Veik à la hache? C'est intéressant d'avoir quelqu'un à la hache. Darren, on a l'épée foudre. Elle est juste magie. Bah, j'aime bien ça quand même. Après, Frédéric, c'est celui qui nous carie sa mère. C'est quoi les petits icônes là? L'unité est vulnérable aux armes portant ces icônes. Ah. Aux chevaux et aux chevaliers quoi. Ouais, il est fort à l'épée, à la lance et à la hache. Maîtrise de la lance à mort. Et 7 de déplacement. Est-ce que ça serait pas lui qu'il faudrait virer théoriquement si on veut progresser un max? Après, il est strong, Frédéric. Pour moi, je me sens pas l'enlever. Optimiser l'équipement de l'unité déployée. Ça lui a rajouté une épée. Non, une lance en argent. Une lance en fer. Ça a rajouté le tome de feu. Du coup, Myriel ne l'a plus forcément puisqu'on ne la joue pas. Mais ça l'a rajouté à Darren. Ce qui est pas con. Ouais, donc du coup, ça. La durabilité est encore présente. Enfin, c'est la même durabilité que les combats précédents. Donc, effectivement, ça vaut le coup d'économiser les durabilités. On va parler avec Chrome. Avec Frédéric. Je viens de terminer ma ronde autour du camp, mon prince. Tout semble en ordre. Je n'ai constaté aucune trace de l'ennemi dans les environs. Il s'agit donc d'un lieu sûr où nous pourrions passer la nuit. Excellente nouvelle, merci Frédéric. J'ai profité de l'occasion pour inspecter également notre armurerie. J'ai placé tous les objets présentant une usure patente devant votre pavillon. Libre à vous de les faire réparer ou de les vendre, mais un choix rapide s'impose. Eh bien, je vois que tu as travaillé dur. Ton zèle m'impressionne toujours, à côté de toi j'ai l'impression de ne rien faire. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir de chevalier d'Ilis, monseigneur. J'ai par ailleurs remarqué que vos séances d'entraînement causaient un certain remous. Aussi je me suis permis de protéger les tentes autour des espaces d'entraînement. Je vois, navré de t'avoir importuné de cette façon. Ce n'est rien, c'est un plaisir de pouvoir me rendre utile. De plus, je me suis procuré des couvertures pour nous réchauffer la nuit, mais c'est Thermomix, le gars, il fait tout. Celle-ci se décline en plusieurs couleurs, choisissez la couverture qui vous plaira. Si je puis me permettre, le rose vous va comme un gant, monseigneur. Mais vous souhaitez peut-être une couleur plus neutre, essayons le bleu. Voici, acceptez également ces deux couvertures de rechange. Frédéric, tu n'es jamais fatigué. Que dites-vous là, monseigneur? Je ne vis que pour servir. Ah, j'oubliais, j'ai aussi pris des mesures pour remonter le moral des troupes. Je ne vis que pour servir, mais Frédéric... Quand même. J'ai commandé à un artiste, le portrait de Monseigneur en plusieurs exemplaires. Vous y apparaissez dans une pose osée, nu, avec une épée, la mèche au vent. Vous y apparaissez dans une pose osée. Nu, avec une épée, la mèche au vent. Chrome à poil, avec une épée, la mèche au vent. Sur chaque image, figure notre nouvelle devise, tous avec Chrome. tu fais une affiche pour une partout, Frédéric? C'est quoi le délire? J'ai jugé utile de faire accrocher ce portrait de vous dans chaque tente. Nos hommes ne manqueront pas d'adhérer à ce principe fédérateur. T'as tous les guerriers qui ont leur prince à poil dans leur tente, tous avec Chrome. Non mais please. Une seconde, ne me dis pas, tu as suspendu ce portrait dans toutes les tentes? Indeed. Ne me remerciez pas, monseigneur, c'est tout naturel. Bien, j'en ai fini avec mon rapport, tâchez de vous reposer, votre Altesse. Frédéric, attends, il faut vraiment qu'on... Parle. Diable, l'heure est grave, il faut enlever ces portraits avant qu'il ne soit trop tard. Mais lol. Est-ce que le portrait existe dans les fichiers du jeu? C'est pour un ami. Oh, bonjour, Sully. Bonjour, Chrome. Tu es seul ici? Je croyais que tu serais avec Lisa et les autres femmes. Après parler le dîner avec de ces braves messieurs, je préfère m'occuper du feu. Cela me semble beaucoup de travail pour une seule personne. Préfériez-vous que je cuisine ou que je course? Non, que je couse. Que je couse, oui, que je couse du verbe coudre. Non merci, je déteste ces sottises. Je comprends, c'est vrai que tu n'es pas exactement une dame. Allez-y, dites-le, ça ne me dérange pas. Eh bien, je suppose que chacun a ses propres talents. Contrairement à Darren, qui n'aime pas qu'on lui dise que ce n'est pas une dame. Non, elle ne fait pas d'activité de dame, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est à l'époque. Mais les activités de dame, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Regarde, c'est une chevalière, la preuve. Je ne sais pas non plus cuisiner ou coudre, je pourrais au moins t'aider. Ah, ne vous en faites pas, Chrome, je m'en occupe. Eh bien, il était plus court, celui-là. Par contre, ça nous a sorti une dinguerie, Frédéric. Il y a l'accent du sud qui a ressorti une dinguerie.
Aïe, quelle heureuse surprise, si ce n'est autre que ma très chère Sully. Virevoltant, tel le papillon, piquant comme l'abeille. Quel plaisir de... Tu cherches quelque chose, l'astico? Je ne fais que suivre la boussole de mon cœur, dont le nord s'appelle Sully. Donc, non, tu veux bien dégager, je m'entraîne. Quelle froideur, vous me glacez les chines. Mais je gage que quelques douces paroles sauraient me réchauffer le cœur. Dites-moi, cet entraînement guerrier, ces grognements bestiaux, tout cela ne sied guère à une dame d'une beauté aussi radieuse que la vôtre. Belle ou vilaine, une femme n'aura aucun mal à poignarder un imbécile, ce qui ne la dispense pas pour autant de s'entraîner. Alors du balai. Votre habileté et votre grâce au combat mériteraient les plus beaux poèmes, mais toutes ces qualités sont inutiles dès lors qu'un protecteur veille sur vous. Ah ah, ne me fais pas rire. Madame, vous me blessez, cet homme se tient juste devant vous. Attends, tu parlais de toi? Tu ne manques pas d'humour, il faut le reconnaître. Ce n'était point une plaisanterie. As-tu la moindre idée des périls que j'encours au quotidien? Nul ne serait capable de les anticiper, alors me protéger, impossible. Rien n'est impossible, je fais le serment d'être votre vaillant protecteur. Plutôt faire appel à une nounou et à toute sa marmaille que de te confier ma vie. Ainsi vous exigez des preuves, soit, je vous prouverai ma valeur. Vous pourrez admirer mon héroïsme légendaire lors de la prochaine bataille. Oh, je sens qu'on va bien rire. Effectivement. On a déjà Virion qui est à fond sur ce lit. Ok, on a fait le tour. Nous avons fait le tour, tout à fait. Pour le moment, les soutiens, je les aime bien. Je les aime bien. Vraiment, ils sont cool. Ils sont un peu plus péchus dans les dialogues que ce que pouvait proposer Engage, notamment. On va voir la carte. Parce que ceux de Three Houses étaient vachement cool. Ceux de Engage, ils sont moins impactants, mais également plus... Comment... Plus hétéroclites. Non. Hétérogènes. Plus hétérogènes. Voilà. Bref. C'est bon, on peut rentrer. Non, il y a des escaliers, c'est là où il y a des unités qui vont sortir, je suppose. Non, ça donne de l'esquive. Qui es-tu? Quelle âme? Lance de fer. Chevalier. Ah, mais c'est lui qui était avec nous. On va pouvoir le recruter. Il sera avec nous. Un chevalier. On a notre tank. Pourquoi il y a un petit plus, là? Ah, je peux zoomer. Bonjour, quelle âme? Unité cuirassée avec une forte défense. Vulnérable à la magie. Et oui, c'est le cuirassé qu'on connaît. Mais je peux faire ça avec tout le monde. Incroyable. Unité à cheval maniant la lance et l'épée. Classe équilibrée. Et nous on est quoi nous? Tacticien d'origine inconnue manie les tomes et l'épée. Ok ok. Il nous fait quoi lui? C'est un soldat. Soldat ordinaire qui manie la lance. Ok, on peut avoir des infos là-dessus comme ça, très bien. Alors. Du coup, vu qu'on a un tank comme celui-ci, est-ce qu'on a besoin d'avoir d'avoir Frédéric. Ouais, on va garder Frédéric, hein. On va garder ça comme ça. On va sauvegarder juste avant le combat. Hop, on va sauvegarder juste... Bon, on va sauvegarder comme ça. Je vais sauvegarder dans l'émulateur. Sauvegarde d'état, hop. Comme ça, au cas où vraiment il y a un truc qui plante ou quoi, on a ça dans l'émulateur. On va combattre. Débuter le combat. Oui. Halt, qui va là? Je représente la maison d'Ilis et je souhaite m'entretenir avec les Khans. Plus un geste, un seul ordre de ma part et mes lancers seront sur vous. Mais nous ne sommes pas des ennemis. La sainte reine Emerine nous envoie pour engager des pourparlers. Je ne laisserai pas les brigands fouler le sol de Regna Ferox. Des brigands? Vous n'êtes pas les premiers Iliciens à vouloir traverser la frontière. J'ai toute autorité pour battre les intrus de votre espèce. Comment osez-vous? Le prince Chrome est lié par le sang à la Sainte Reine. Ah, et moi, je suis la Reine de Valm. Usurper l'identité d'un prince est un crime de lèse-majesté. Vous devriez le savoir. Mais ne pas reconnaître un prince, c'est encore pire, non? Il me tarde de régler cette affaire à la manière des Ferroxiens. Vous êtes le prince d'Ilis? Eh bien, prouvez-le-moi sur le champ de bataille. Emerine risque de ne pas apprécier la tournure que prennent les événements. Je vous prie de bien vouloir nous écouter. Trêve de palabarès. À l'attaque! Je vous envoie des lances. Ah! Notre Pégase. Soumia? Accrochez-vous. Ça risque de secouer. D'accord. Est-ce que c'est en 3D là sur la 3DS? Ça va aller. Est-ce que les cinématiques sont en 3D?
Il a un peu le regard perdu, Chrome. Parce que là, si les cinématiques sont en 3D, là, c'est la classe. Et je suppose que oui, en plus, forcément. Ils sont forcément en 3D. Parce que les cinématiques sont vachement cool. Je sais pas comment là, ça joue en 3D. Sûrement que l'arrière-plan est en arrière-plan. Faudra que j'aille voir sur la 3DS. Ouf, j'arrive à t'en soulager de vous voir sain et sauf, capitaine. J'arrive pas à croire qu'il s'agisse du Pégase blessé de tout à l'heure. Oui, c'est un vrai battant. A plus forte raison, c'est un allié qui lui donne une bonne raison de se battre. Je vous remercie tous les deux. Le Pégase est devenu tout rouge. Nous avons encore une affaire de la plus haute importance à régler. Est-ce qu'elle va pouvoir nous... Oui, elle est avec nous. C'est bien ça. Chrome, ils arrivent. Très bien. On va donc régler ça à la manière des Féroxiens. Victoire, vaincre le boss. Phila dit qu'un Pégase avance vite, mais qu'il est vulnérable aux flèches. Ne t'inquiète pas, mon petit, j'éviterai les archers dans notre propre intérêt. Oui, évidemment. Sunia, évidemment, tu n'aimes pas les flèches. C'est étrange, ça, d'ailleurs. N'est-ce pas? Faire une équipe. Non, ça on l'a déjà fait. Des cases supplémentaires. De nombreuses armes ont une efficacité accrue contre certains types d'unités. Ainsi, l'arc inflige des dégâts supplémentaires au Pégase, prêtez attention à cet effet. Il est indiqué par des icônes à côté des armes sur l'écran tactile. Oui, effectivement. Donc là, à côté des armes. Ah oui, Pégase ou cheval. Unité est vulnérable aux armes portant ces icônes. Oui, voilà. Donc là, par exemple... Toi, t'as pas ces icônes. Là, oui. Toi, t'es méchant contre les Pégases. Toi, on s'en fout. Toi, t'es méchant contre les Pégases. Là, il y a deux archers. Qui ont évité la Pégase. Là, il y a un archer. Il y a un archer. Donc, faut tuer lui. Et puis ensuite, on envoie la Pégase. Alors, on passe par la droite, on passe par la gauche. À gauche, ils sont 4 plus un chevalier. À droite, ils sont 4 plus un chevalier. Mais il y a deux archers à gauche et un seul archer à droite. Par contre, on a lui ici. On va plutôt aller à gauche, j'ai l'impression. Partir sur ça. Alors. Comment je fais? Nous avons un arc, enfin deux archers, une lance et deux lanciers. Ok, deux lanciers et deux archers. 23, 24, 24 et 23. Ok, c'est les deux mêmes unités là. C'est juste lui, il a une clé de la porte. C'est les mêmes unités. C'est les deux mêmes unités. Non, lui il a 8 de force alors que lui il en a 9. Et lui a 11 de technique alors que lui a 13 de technique. Donc c'est vraiment lui qu'il faut buter en priorité. Lui tu peux. Si tu peux y aller toi. Stahl. Est-ce que Stahl tu peux aller là et tu peux lui taper la gueule? Tu peux lui mettre 8. C'est pas beaucoup 8. Mais lui ne t'attaque pas. On a Sully. On peut également attaquer lui. Lance contre lance. Contre la lance, il faudrait que j'ai une hache. Et la montre, tu ne peux rien faire. C'est Frédéric. On est d'accord qu'on a vraiment l'impression qu'il porte une hache sur son image. On est d'accord sur ce point. C'est toi, mon haché. Mon haché, je vais dire plutôt. J'aurais plutôt dire mon hachier. Je peux duo avec toi peut-être. Si je duo avec toi. Et que toi je vais là. Si je permute, est-ce qu'il peut attaquer? Je suis pas sûr. Hein. Si voilà, il peut attaquer. Hache contre arc. Mais je permute. Et là, hache contre lance. Ah mais je te mets 13, c'est pas énorme hein, 13. Ah c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal 13. Lui il nous met que 6. Ah j'ai basculé en plein milieu de l'écran, désolé. Pourquoi c'est Stahl qui... Merde, c'était Stahl, je pensais que c'était j'attaquais avec ma hache. Bah ça commence très bien déjà. Ça commence très bien. Bien joué, moi. On va se mettre là avec Vander. Ah, j'ai fait le con, là. J'ai fait très le con.
C'est avec Chrome, il faut que j'aille là. Ok, donc on va former un duo avec Chrome. On va aller parler avec lui. Parler. Chrome et Kélam. Bizarre, je me sens comme observé. Monseigneur, regardez par ici. Qui es-tu? Montre-toi une bonne fois pour toutes. Je suis juste à côté de vous, Monseigneur. Moi? C'est toi, Kélam. À quel moment es-tu arrivé? Bah, en même temps que vous tous, je fais toujours partie des veilleurs, pas vrai? C'est un honneur pour moi et je... Bien sûr que tu fais partie des nôtres, Kélam. C'est que tu es tellement discret. Oui, je sais bien que j'ai tendance à passer inaperçu la plupart du temps. Avec ta grosse armure comme ça, tu passes inaperçu. Ça t'aura au moins permis de ne pas te faire repérer par les Féroxiens. Je fais des signes toute seule dans mon coin pendant de longues minutes. Mais personne n'a daigné regarder dans ma direction, c'est curieux. Tu as l'air déçu. Un peu, mais au moins vous, vous m'avez trouvé. Tâchez de ne plus me perdre cette fois. Lol. Le pauvre. Toi par contre, du coup, t'es résistant. Tu infliges des dégâts en plus. C'est pas mal du tout, ça. Est-ce que vous voulez pas que je me débarrasse de lui quand même? 11. Non, on va plutôt taper l'archer. Va pour la lance. Paf. Bien joué. Et là, du coup, la portée est plus réduite. Ça me plaît bien, ça. Ça, je peux avancer toi. Je peux avancer notre soigneuse. Notre Pégase, on va aller l'emmener ici. Et Sully, est-ce que je peux l'emmener? Ouais, je vais la mettre là, Sully, peut-être. Est-ce qu'elle survit, Sully? Non, Sully, elle prend cher si je la mets là. Peut-être juste l'envoyer ici. On va faire ça. Elle se fait agresser par un, mais du coup, elle survit. Ok. C'est Crob qui fait ça. Vachement cool, ça. Il doit avoir un... Je vais aller voir Crob. Il doit avoir un passif. Là, c'est Vake qui prend. Non, c'est Stall. C'est Stall. Du coup, Stall, il va prendre cher, peut-être. Il se refait agresser. 5. Il fait 5 dégâts, ça doit le faire. Ah non, il fait ça aussi. Vachement cool. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il aurait pris très cher. Que se passe-t-il d'arène? Je vous ai observé tout à l'heure, soumis à vous, et je me demandais, est-ce bien nécessaire que chacun de nos unités se batte en 1 contre 1 contre 1? Tu penses qu'on pourrait attaquer l'ennemi en duo par exemple? Intéressant. J'admets que sans l'aide de Soumia et de sa monture, je ne serais plus de ce monde. En formant un duo, deux unités pourraient unir et partager leurs forces. Une unité lente pourrait être transportée par une unité rapide pour avancer plus vite. Oui, c'est parfait, cette stratégie offre tout un éventail de possibilités. Tâchons de nous en servir dès que l'occasion se présentera. T'es en train de me dire qu'il faut que je mette les deux là. Ça pourrait être intéressant, ça c'est vrai. Alors, juste toi. Attaque combi plus, augmente de 10% les chances d'attaque combinée. Non, c'est juste ça. Non, mais ça doit être une propriété du duo, alors de pouvoir prendre les dégâts sans effet à la place. On va faire un duo avec Kélam. Qui effectivement peut se déplacer bien plus vite, du coup. Pas mal. Après, je peux peut-être rester juste là. Hein. Pas besoin de se déplacer. Je te mets 13 dans la tronche. Et tu meurs. Ça me paraît bien, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Hey, je n'avais pas vu le temps passer. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci, on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.